Peut-être vous serez, peut-être ça va choquer certains, hein? Wenda itaweza kukwaza wa moja. Qui va risquer de croire ambao watawafikia kuwaza que je suis en train de me vanter. Kwamba niko na jitapa. Mais des fois quand même il y a des moments où on partage des expériences. Lakini inabidi pia kwa wanahubiri pamoja na uzoefu. La seule qui me connaît c'est mon épouse. Muto naye nifahamu vizuri ni mke wangu. Elle m'a vu ici sur les genoux. Yeye anajua hata hapa kwenye magoti. Elle m'a vu. Aliniona hapa kwenye magoti. Sur les genoux ça fait quelques semaines. Kuna pita juma fulani. Elle a regardé. Akaangalia. Elle a regardé. Akaangalia. Elle m'a dit finalement chérie. Akaniambia mpenzi. C'est devenu très noir. Sasa kumekusha kuwa uzi. Avec une grande croûte là. Na kumekuwa na uko kikovu cha mwili, kikovu cha mwili. Hapa. Hapa kwa magoti. Januari hapa. Chamosi. Na chengine hapa. Et d'autres ici. Bia kushindia bile bia kuba mizilima bia hapa. Ce qui dépasse même celle de mizilima si, qui met ici si, si la passe. Il a touché. Kinakaza. C'est très dur. Kisha kwa sa chambusi. Ça devient comme celle de chèvre. Na chengine hapa. Et l'autre ici. Chamweusi. Noir. Akanambia. Elle m'a dit. Hii magoti njoo inakufanya hivi. C'est son ce genou qui te fonce. Hii kuomba njoo inakufanya hivi. C'est les prières qui te fonce. Na yeko hapa iko témoin. Et elle est là, elle est témoin. Maintenant ça arrivera où ça sera comme celui de chair. Qui est aussi trop noir. Mais toi tu mets le tien. Qui t'a quoi vile na ni combien de fois qu'on a bifanya par semaine. Est-ce que ni joue pendeze mou? Ça sera comme ça si tu fais combien de fois tu te mets à genoux. Est-ce que tu n'as falaka makilote pour que ça tuyonyesha seme vile ba islam banatiaka hapa pour que baone kama na baolisha kwa na kinware hapa. Est-ce que nous portons de kilote? Na madawa hapa juu kikue noir na haiko azo. Est-ce que nous portons des culottes pour dire que ça, c'est possible que ça vient, mais nous ne portons pas des culottes comme ceux des musulmans, ils mettent ici sur la face. Assieds-toi aussi avec ta femme pour qu'elle regarde qu'est-ce qu'il y a à tes genoux. Mais c'est comme pour un enfant, un bébé. C'est comme un genou d'un bébé. Tu peux même enlever le pantalon et quelqu'un va voir. S'il n'y a pas quelque chose qu'on avait fait. Sirita, sirita. Et on avait aussi touché la nini. C'est quoi ici? Na unasimama na binaingia ndani muligoti. Et tu te mets debout et ça entre dans les articulations. Nibu busenti minito kuna piga magoti na unabuchanga na mawazo. Est-ce que c'est la prière de 5 minutes que tu as mélangé avec les pensées et tu te réveilles sans rien dire? Les gens doivent partager les expériences. Quand vous dites priez pour moi, vous pensez qu'on a fait quoi? Quand les serviteurs te disent nous avons prié pour toi, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils étaient partis à genoux. Et ils étaient partis à genoux comment? Alléluia. Amen. Shalom. Shalom. Muko hapa. Ziat. Haishushe Mungu. C'est pas la prière qui fait descendre Dieu. Inakupandisha. Ça te fait remonter. Voici maintenant les secrets. Dans un moment, ça s'assit. Unataka omba. Quand tu veux prier. Uko na byako. Tu as tes histoires. Uko na batu yako ya kutelefone. Tu as les gens à appeler. Téléphoner au malice. Appel est fini. Je suis quoi kumagoti? Que tu ne sois pas à genoux. Que tu commences à te souvenir que je n'ai pas appelé tel. Uko na ma SMS za kutuma. Tu as des SMS à envoyer. Tuma hazo. Commence par envoyer. Usiende kumagoti. Ne parle pas à genoux. Kisha mawazo ikwambie. Les personnes te disent. Haukutuma SMS kwa fulani. Tu n'as pas envoyé les SMS à tel. Uko na ma urgence. Tu as des urgences. Maliza hazo. Finis-les. Ça va utakapo kwa kumagoti. Parce que quand tu seras à genoux. Ni audience yako na Mungu. C'est une audience avec Dieu. Ni weye na Mungu munaenda ongea. C'est toi et Dieu vous allez vous parler. Secret ya pili. Siri ya pili. Wakati uko naomba. Quand tu es en train de prier. Uji represente kama. Représente-toi que. Vile unaongeaka na batu. De la façon dont tu parles avec les gens. Uombe na uko mu maongezi. Sawa vile ginsi naongeaka na ba frère. Prie tout en étant en dialogue comme si tu étais en train de dialoguer avec les frères. Vile mina kutana na Samuel. De la façon dont j'ai pu rencontrer Samuel. Aye, je lui dis comment vous avez passé votre journée. Kitabu liipata, est-ce que tu as trouvé cette chose? Na kazalika. Et ceci. Je sais que kuko mutu mbele yangu. Je sais qu'il y a quelqu'un devant ma face. Et je sais que kuko binyeni ko namwambia. Et je sais qu'il y a quelque chose. Et je sais que kuko binyeni na mungo yako. Et je sais qu'il y a quelque chose dont na je m'attends. Na wewe ukitaka kwa nafanya ile ma prière ya ku avancer. Et toi quand tu vas commencer à faire des prières pour avancer? Wewe unaomba. Tu dois prier. Usijirepresente que kuko mungu
Mais ne te représente pas qu'il y a un Dieu qui est tellement loin de toi. Parle avec lui de la façon dont tu parles avec les gens. C'est dont tu te sens dedans. C'est de la même chose que tu vas parler. C'est dont tu veux lui parler. Parle. Essaie de fermer d'autres portes. Pour qu'il n'y ait aucune pensée qui va venir se mélanger dans ce que tu es en train de dire à Dieu. Pour que tu ne puisses pas être vu comme un fou devant Dieu. Attends, je vais te montrer. Que moi je parle devant le gouverneur. Bonjour monsieur le gouverneur. Jambo. Madame, madame, comment vous avez passé la journée là-bas? Gouverneur. Liwali. Suis venu te voir. Ngomani. Oh, c'est trop, mais il est bon. Gouverneur. Oh, Liwali. Niko na problème kunyumba. Nina shida. Iki où est-ce que vous avez tiré ça? Vous voyez comment les choses sont en train de s'entremêler dans cette gestion. Ce sont les pensées qui sont en train de se mélanger dans ce que je suis en train de dire à l'autorité. Gouverneur. Liwali. On veut parcelle yangu. On veut me prendre la parcelle. Lakini maua ni ya mzuri. Ces fleurs aussi elles sont bonnes. Ni bile binyebina ingi. Ce sont des choses qui ont pour se mélanger dans la prière. Quand tu es en train de parler avec Dieu, tu fais entrer d'autres choses. C'est comme ce que je suis en train de faire ici. C'est comme ça qu'on voulait me ravir mon champ. Mais aussi cette chaise vraiment. Oh, j'étais en train de dire qu'on voulait me ravir le champ. Mais j'étais en train de dire que tu puisses m'aider. Mais comment on avait construit cette colonne? Inakaza. C'est très dur. Le gouverneur s'assoit à moi. Encore je reviens. Maintenant ces gens, ma document. Ils ont apporté les documents. Document. Et moi j'ai apporté les documents. Mais maintenant, combien coûte ces carreaux? Ce sont des choses que tu es en train de demander. Au lieu de finir ce que tu es venu dire, Dieu découvre dans ta prière. Tu as les interférences. Des choses qui n'ont pas de rapport avec le sujet. Donc tu es en train de lui dire. Toi, tu es amené pour dire à Dieu le dossier de trouver le travail. D'où vient l'affaire de la pâte et l'effet de manioc. Affaire comme batoto batatoka kwa masomo sangapi unaingiza aye mu dossier ya kumagoti ya kuomba Mungu akupe kazi. Comment tu introduis l'affaire des enfants qui vont quitter à l'école dans le dossier dont tu es en train de dire à Dieu qu'il te donne le travail? Sasa Mungu apendake. Maintenant Dieu ne veut pas. Sasa naomba. Que quand tu es en train de prier, que tu puisses dire uingize byengine que tu mélanges toutes les choses et qui t'attendent. Tena uendeleshe. Et que tu puisses encore continuer. Uingize mawazo. Que tu fasses entrer les pensées qui t'attendent. Tena uendeleye. Et que tu puisses encore continuer. Kisha uingize mawazo. Et que tu pénètres les pensées akungoye qui t'attendent. Et qui commence à attendre en disant que il est en train de me dire ceci. Regarde là où il part maintenant. Il part à l'école. Il revient. Il continue avec la prière. Il se souvient de la casserole qui est. Le voilà dans la cuisine. Elle revient. Il continue avec la prière. Il se souvient que son mari a voyagé. Et qu'il s'est arrivé où? Il revient. Maintenant Dieu va se dire, tu es venu me parler ou tu es venu me. Si tu veux te. Que ce soit même une prière d'une minute. J'ai exercé. Va aller vous exercer. Que ce soit une prière directe. Wangu. Mon Dieu, je viens devant toi. J'ai un problème. Mutoto, de l'enfant. Bilienda, il est parti. C'est devenu. C'est monté. Bikarudia, et c'est revenu. Bilipenda, je voulais que tu puisses m'aider. Parce que 1, 2, 3, 4. Si tu m'aides, nitafanikiwa. Je serai venu. Mwingine, il n'y a personne qui va m'aider. Kukuomba, je suis venu te demander. ABCD. Mujina la Yesu Kristo. Au nom de Jésus Christ. Que tu rentres et que tu commences maintenant à penser sur tes casseroles et ta pâte. Amen. 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 Il y a des gens qui n'ont jamais prié et terminé sans y mélanger des pensées. Kuna watu ambao hawajawahi kuomba Mungu bila kuchanga na mawazo yao. Amen. Amen. Nous renversons le raisonnement. Tunaangusha mawazo. Donc mawazo kwenye ilikuwa nasimama. Là où le raisonnement se tenait. Unaibomola inaanguka. Tu le détruis Satan. Unabakia mu prière. Tu restes dans la prière. Haina mu mawazo makini. Qui n'est pas mélangé avec les pensées.
Et tu montes dans les lieux célestes. Comment saurais-je que dans ma prière je suis déjà élevé? C'est quand je sens autour de moi qu'il n'y a plus quelque chose qui peut s'interférer dans ce que je suis en train de dire. Tant que tu sens que ça se... Ça s'interfère. Moteur haya waka, how ya démarré, na usingie ku goudron, how ya washa gari. Le moteur n'est pas encore allumé, ce n'est pas encore réchauffé, et n'entre pas dans le goudron parce que tu n'as pas encore allumé le véhicule. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Na kuepuka kuchanga mawazo nitafanya je tena? Et comment ferais-je pour échapper le mélange des pensées avec mes prières? Amen. Amen. Nitabifanya je. Comment ferais-je cela? Ili nipande. Pour que je puisse monter. Frère Branham dit. Kila mutu. Chacun. Akitaka ongea na mkubwa. Quand tu veux parler à une autorité. Awezi kumkuia na kukosada. Il ne vient pas venir avec le manque du respect. Et na sisi siku tunataka omba. Et nous aussi quand nous voulons prier. Tuwe tunayua kama. Nous devons savoir que. Kuna njia mingi za kukaribia Mungu. Il y a plusieurs façons de s'approcher. Mais ukibienda mubaya. Mais si vous irez d'une mauvaise manière. Utakuyaka kufa na kuna siku lishaka karibia Mungu mumaombi. Tu peux arriver à mourir sans t'approcher de Dieu à travers les prières. L'approche vers Dieu, paragraphe 8. Namna ukaribia Mungu mtajo wake wa 8. Frère Branham ni nabii. Branham, c'est un prophète. Vous m'pingez, Messie, à tout à m'pinga. Il est prophète. Il est prophète, vous pouvez l'approcher vers Dieu. Nam na yakum karibia Mungu. L'approcher. Nam na. Vers. Yakum karibia Dieu. Mungu. La prière qui vous rapproche à Dieu. Maombi anayo kukaribisha na Mungu. Karibia Mungu. S'approcher à Dieu. S'approcher à Dieu. Amen, amen. Amen. Paragraphe 8. Tajwa ki wamnan. Remarque. Tazameni. Nanza kusaba. L'approche vers Dieu. Kumkaribia Mungu. Il existe une façon d'approcher Dieu. Kuna namna ya kukaribia Mungu. L'approche vers Dieu. Kumkaribia Mungu. Il existe une façon d'approcher Dieu. Kuna namna ya kumkaribia Mungu. Kunakuwa namuna yenye watu wanakaribia kama Mungu. Ya, inafasa namuna la poche yenye watu wanakaribia kama Mungu. Ya, une façon dont les hommes doivent s'approcher de Dieu. Kama wewe hubiriwa utamkaribiaka? Maintenant si tu n'as jamais été prêché cela, comment tu vas t'approcher kama kanisa lenu hali ya bambiaka utaishi na huyo karibiaka Mungu? Si dans votre église on ne vous a jamais dit cela, comment vous allez vivre sans vous approcher de Dieu? Vous savez, si vous allez rendre visite à un roi, ukienda kumtizama mfalme, il y a une façon pour vous approcher d'un roi. Kuna kuwaka namna ya kumkaribia mfalme. Mko hapa? Vous y êtes? Sasa. Maintenant, nilikuwa nawaza ndamaliza hii sujet. Je pensais que j'allais finir ce sujet. Mero iko nanambia. Mais l'esprit en train de me dire. Usikate yo leo. Faut pas finir aujourd'hui. Iyi, ça, ni entraînement ya nguvu. C'est juste un entraînement. Haiwezi chamuka samedi kama ya. Ça peut pas finir dans un seul samedi. C'est non de jipika kifua seme. Ni chaka fundisha assemblée El Betel. Tu te rappelles la patronne que j'ai déjà enseigné l'assemblée El Betel. Nam na gani au Karibia Mungu Dieu dit non. Haiwezi malisa mu prédication ya samedi leo. Tu peux pas finir dans une prédication d'un seul samedi. Amen. Amen. Si ma cinq conditions. Là, je n'ai pas encore parlé de cinq conditions. Tout mon introduction. Je suis encore dans l'introduction. Si vous... Alléluia. Il y a une façon pour vous d'approcher un roi. Il y a une façon de s'approcher. Eh bien, pour rendre cela plus simple, les garçons qui aimeraient aborder une jeune fille pour faire connaissance avec elle, kumkaribia binti ili waweze kufahamiana. Il y a une certaine approche. Kuna kuwaka namna. Vous ne pouvez tout simplement pas aller là et dire hey, hela, hela, hela. Hawezi tu kwenda pale na kwanza kulalamika. Hey, hey, hey. J'aimerais faire connaissance avec toi. Ningependa tuweze kufahamiana. Et te serrer la main. Na nikupatie mkono. Esta. Si je n'ai pas Esta. Njoo nani wewe?
Hein? Jemima, grande sœur, bonjour, Esther. Ok, oui, Jemima. Toi, Jemima. Si maman. Mets-toi debout. Si Ogope. Faut pas avoir peur. Kamoko Mubarabara. Si tu es dans la route. Garçon Ikongambo Yabarabara. Il y a un garçon qui est le long de la route. Attends, frère Waoum. Même si c'est un frère d'ici. Jemima, Jemima. Et qui t'appelle Jemima, Jemima. Jemima, cher. Arrête-toi, je vais te parler. Tu vas commencer par regarder d'abord à côté. Et dire, je vais parler avec ceux-ci là où il y a les gens. Pourquoi on ne puisse pas dire que un frère quand même a ouest qu'on est ici. Mais un frère ne peut pas m'appeler quand même comme ça. Alors qui est-ce qu'il y a? Et pourtant c'est la personne que tu connais. C'est où comme au barabara? Mais tu es en cours de route. Parle mon qui 30. Lâche. Toi fille, arrête-toi, je veux que nous puissions nous habituer. Je veux que je puisse te parler dans la vie. Arrête d'abord, je veux que nous puissions nous connaître. Arrête d'abord, ton nom c'est qui? Tu vas fuir. Tu peux pas t'arrêter. Frère Branham, on a semé. Frère Branham dit. Hé là, hé là. Hé. J'aimerais faire connaissance avec toi. Ningeta quand tu es à Kufamiana. Et te serrer la main. Na kukupatia mkono. Et à moins qu'elle ne soit pas une vraie dame, sinon elle va vous remettre à votre place. Bahati yako ukutane haiko binti wa kukaza. Kama ni wa kukaza atakurudisha kwa nafasi yako. Kama ni fille wa bien. Si c'est une très bonne fille. Mwenye na jiaminia. Qui s'y connaît. Atakuposer. Elle va te poser sur ta place. Atakwambia. Elle va te dire. Usinikosea da. Ne me manque pas le respect. Misiko mbaraga. Je ne suis pas prostituée. Yakuita mubarabara hivi. Que tu dois appeler dans la route comme ça. Kama ulitaka kunifahamia. Si tu voulais me connaître. Haiko mwisans. C'est pas dans ce sens. Nataendelea na jiende. Et elle va continuer avec son chemin. Donc il y a aussi la façon dont nous manquons aussi le respect à Dieu. Tout simplement parce que nous ne savons pas comment l'approcher. Amen. Amen. Très bien. Vraiment. Il y a une certaine façon pour vous d'aborder cela. Kuna kwaka namna ya kuweza kuingilia hilo. Il faut vous approcher de cette dame. Inabidi uweze kukaribia huyo binti. Avec respect. Na heshima. Et tout le reste. Na mengine yanayobaki. Paragraphe 8. Mtaji wa kwamba. Il y a aussi une façon d'aborder chaque chose. Kuna kwaka namna ya kuweza kufanya kila jambo. Il y a une façon. Kuna kwa namna. D'approcher Dieu. Ya kumkaribia Mungu. Et si nous ne connaissons pas l'approche, na kama tusipofahamu hiyo namna, l'approche vers Dieu, namna ya kumkaribia Mungu, nous ne pourrons jamais avoir une audience auprès de Dieu. Hatutapataka kamwe kibali mbele ya Mungu. Kuna namna ya kukaribia Mungu. C'est-à-dire qu'il y a une façon de s'approcher de na Dieu. Na kama hatubiyue, et si nous ne savons pas cela, tutafikia kuishi na hakuna siku tulishaka karibia. Nous arriverons à vivre sans avoir s'approché à Dieu. Unaishi, tu vis, na unaombaka, et tu pries, na unajikazaka, et tu te forces, hauya mkaribiaka. Mais tu ne t'es jamais approché de lui. Amen. Amen. Dans une salle d'audience, katika chumba cha, vous ne vous approcherez pas tout simplement là, hauwezi tu kukaribia hapo, alors que le juge est sur l'estrade, na wakati hakimu akiwa, magistrat donc juge, hakimu. Hakimu akiwa hapo juu kwenye jukwaa. Hey juge. Na kwanza kusema hey hakimu. J'aimerais vous parler un peu. Nataka nikuongeleshe kidogo. Quelqu'un vous chassera de la salle d'audience. Kuna mtu atakufukuza katika hiko chumba cha mahakama. Ukutane juge iko na kata lubanza. Si tu rencontres le juge en train de trancher. Au tribunal. Au tribunal. Au cassation. Dans la cassation. A déjà la toge yake. Il a déjà porté sa toge. Tu parles mubatu. Toi tu es là. Mais c'est le juge niko na bia kukwambia. Eh moi hakimu je vais te parler. SM, dit, police, les policiers vont te prendre manu militari et ils vont te jeter en dehors de la salle et il va te dire on ne parle pas au juge quand il est entré de trancher. Et toi, si tu vas mettre maintenant les doigts en l'air, il y a la façon aussi de parler au tribunal. Quelqu'un vous chassera de la salle d'audience et vous mettra en prison. Voyez-vous? Naona. Voyez? Naona. Pour atteinte à l'ordre public. Kwa sababu umeweza kuleta vurugu katika chumba.
On va te jeter dehors parce que tu as voulu apporter le trouble et troubler les tentes publiques. Voyez, voilà. Il y a une façon d'aborder les juges. Kuna pia namna ya kuweza kumkaribia mhukumu. Eh bien, sasa, paragraphe 9. Si on est un fils, kama wewe ni mwana, et qu'on veut aborder son père, na unataka kumkaribia baba yako, on s'approche tout simplement du père, unakaribia tu baba yako, et on dit, na unasema, père, baba, je viens te rendre visite, na mekuja kukuona, et te voir pour quelque chose, na kukuona kwa ajili ya jambo fulani. C'est ça son approche. Hiyo ndiyo namna yake. Mais maintenant pour un étranger, sasa kwa mgeni, il y a une autre approche. Kuna namna ingine. Voyez-vous? Naona. Il y a une approche vers Dieu. Kuna namna ya kukaribia Mungu. Pour beaucoup de cas différents. Kwa kesi mbali mbali. Pale binaluma sasa. La mena sa fait mal. Aseme Mungu abamkaribia yake de la même façon kumaka zote. On ne s'approche pas de Dieu de la même façon dans tous les cas. Hamusiki. Est-ce que vous avez compris? Aseme. On dit, il y a une approche vers Dieu pour beaucoup de cas différents. Kuna namna ya kumkaribia Mungu kwa sababu ya kesi mbalimbali. Kuko kuomba upone. Il y a la prière pour demander la guérison. Kuko kuombea watu. Prier pour les gens. Kuko kuombea kanisa. Prier pour l'église. Kuko kuombea jamaa. Prier pour la famille. Kuko kukemea mapepo. Réprimander les démons. Na kazalika. Ainsi de suite. Habakaribia ke Mungu de la même façon. Kila kai kuna namna yake. On ne s'approche pas de Dieu de la même façon. Chaque cas doit avoir son approche. Amen. Amen. Il y a aussi, donc il y a une approche vers Dieu pour beaucoup de cas différents. Kuna namna ya kumkaribia Mungu katika kesi mbalimbali. Maintenant, sasa, si j'allais, kama mon père kwenye était vivant, baba angu akiwa hai, et que je voulais l'aborder pour un problème d'argent, na ningetaka kumkaribia kwa sababu ya shida ya pesa, ce serait une approche un peu différent d'un autre type d'approche. Hiyo ingekuwa namna ambayo itakuwa tofauti na ingine namna ya kuhusu kesi fulani. Kama ningetaka omba baba yangu franga, je voulais demander l'argent à mon père, biko tofauti na vile ningelimwona juu ya ingine shida yenye haiko ya franga. C'est différent, donc je pouvais aussi le voir d'un autre problème qui est différent de l'argent. Donc mwikale na mnayua kama, c'est vous tout en sachant que karibia Mungu, s'approcher de Dieu, inapishana kaselo chenye kinakuvera. Ça se diffère de la manière de, selon les camps qui t'a amené. Tu arrives à genoux. Mungu, Dieu, minapenda, je veux bikuwe hivi, bikuwe que hivi. Ça soit ainsi, ainsi. Unaanza kuappliquer mfuto wa tatu alors qu'il kwa maombi ya kusi. Tu commences à appliquer la prière de troisième poule pendant que c'était une prière d'intercession. Amen. Amen. Siku yengenda bembeleza, le jour où tu pourras aller intercéder, unaenda kemea. Tu commences à réprimander. Siku ya kukemea, le jour de réprimander, unasihi. Tu commences à intercéder. Non. Pana. C'est différent. Ni tofauti. Shalom. Shalom. Maombi yanayomkaribisha mwanadamu na Mungu. La prière qui fait approcher l'homme de Dieu. J'aurais aimé lui dire combien je l'estime. Kumwambia kwanza namna gani navyo mpenda. Ainsi de suite. Na kazalika. C'est l'approche que vous devez avoir pour rencontrer Dieu. Nani hiyo namna mngeweza kuwa naye kwa kukutanana na Mungu. Écoutez le secret dont on vient de nous donner. Hey. J'ai compris. Quand nous disons que les gens puissent prier, pourtant les gens, quand ils... Si les gens n'ont jamais été bien enseignés, ils vont se rencontrer devant les messages. Ils ne les placent pas. Aseme ningekuwa niko na baba yangu niko na besoin ya kumnegocier juu ya problème fulani. Si j'avais mon père dont je voudrais négocier concernant un problème. Si tafika mbele yake, je n'arriverai pas devant lui. Nianze kumwambia ile problème. Et que je commence à lui dire directement ses problèmes. Nianze kumutapa. Je dois commencer par l'estimer. Na kumushukuru. Et lui rendre grâce. Na kumonyesha combien ni wa bien. Et lui montrer combien de fois il est bien. Ndakuya sema, je viendrai dire mon problème. Nianze kumonyesha kama ni wa bien. Pendant que je lui ai déjà montré qu'il est bon. Ceux qui sont habitués aux prières des anciens, à moins que vous soyez des visiteurs, il y a des formules que nous utilisons, mais vous ne savez pas pourquoi si nous les utilisons. Je ne peux pas quitter nifique, que j'arrive, Seigneur Jésus-Christ, j'ai prié pour telle soeur pour qu'elle soit guérie au nom de Jésus-Christ. C'est fini, na tunamalizia pale.
Là, j'ai tout détruit. On commence par l'estimer et les vanter. Et si vous entendez certaines formules, notre Dieu, notre roi, Baba yetu, notre Père, le puissant, lui qui avait ouvert le chemin dans la mer, et il a apporté la manne dans le désert, et il a combattu pour sa nation, Seigneur qui a la puissance et le pouvoir, Seigneur toi qui as appelé éternel des armées, dans ta vie, tu n'as jamais vaincu. Tu n'as jamais été vaincu. Seigneur qui a le pouvoir et la puissance, toi qui nous as donné la vie, toi qui nous as aidé quand avant-hier nous étions malades, et tu as guéri nos sœurs. Là, tu n'as pas encore prié. Tu commences à le montrer. C'est lui. Kisha Mungu naye pala na ikala. Là où maintenant Dieu est assis. Ananza sema seme oui. Il commence à dire. Ou petit comme un aniwaka. Ah, c'est petit, il me reconnaît. Mais quand même. Kume bienye nilifanya. Mais tout ce que j'ai fait. Anabiyua. Il le reconnaît. Ah. Ok. Kume nikumufangiza na biengine. Que si je faisais encore. Reconnaissant. Il sera toujours reconnaissant. Unatapa. Tu vantes. Uko unamu pakala. Tu es en train de le wendre. Utukufu wake. Sa gloire. Na heshima zake. Et son respect. Na mamla. Et sa puissance. Kama kwenye iko saiko na wazaye. Mena là où il est ici, il est en train de. Uko tunabambia vile mtakuwa mnamsemesha. Nous sommes en train de vous dire comment vous allez lui parler. C'est le message. Nous jumbe. Baba yetu liye mbinguni. Notre Père qui est aux cieux. Jina lako lisifiwe. Que ton nom soit. Ufalme wako uje. Que ton règne vienne. Duniani kama mbinguni. Si la terre comme au ciel. Banenda kwamba utupe chakula. Nabalisha mwambia jina lako lisifiwe duniani kama. Yesu te donne le pain. Yesu naye alifanya. Même Jésus avait fait la même chose. Hakuanza kaseme munapomba museme utupe chakula. Il n'avait pas dit quand vous prierez, demandez, donnez-nous à manger. Mwende mwele prier. Allez dans cette prière. Baba wetu liyechu. Notre Père qui est aux cieux. Jina lako lisifiwe. Que ton nom soit. Jina lako lisifiwe manake ni formule ni kumusifu kwanza. Ça veut dire une formule, il veut d'abord le mwombe chakula cha kila siku. Avant de demander le pain quotidien. Sasa nyenye mko mnakimlia kuomba mkate ya kila siku. Ne vous précipitez pour demander le pain quotidien. Na hamu ya mwita kwanza atukuzwe jina lako lisifiwe. Sans que vous ne l'ayez pas dit qu'il soit glorifié et que son nom soit. Na hamu ya mwenyesha kama duniani kama mbinguni wewe ndio chef. Tu l'as pas encore montré que au ciel comme sur la terre c'est toi. Le chef. Alléluia. Amen. Jovile, c'est comme ça. Minakuya kwako. Je viens devant toi. Unisaidie kwa mtoto ananishia. Aide-moi cet enfant, il est devenu. Pourquoi kwanza kumusifu kuona ulimuzala kabila kukufa? Il fallait, pourquoi tu n'as pas commencé par le louer parce que tu l'as enfanté sans mourir? Ndio nakushinda mimi Mungu nilikusaidiaka ukamzala bila kufa. C'est vrai qu'il est devenu délinquant mais moi Dieu je t'avais aidé, tu l'avais enfanté et tu n'es pas. Unge pashanzia kwanza Mungu. Tu devrais commencer à dire à Dieu. Bwana Yesu. Seigneur Jésus. Mungu wangu. Oh mon Dieu. Nakushukuru. Je te rends grâce. Kwa sababu parce que ulinipaka ule mtoto. Tu m'avais donné cet enfant. Ningekufaka na mimba. Je pouvais même mourir avec la grossesse. Mais lakini, ukanipa uhai. Tu m'as donné la vie. Umenipa kumulea. Tu m'as donné la façon de l'élever. 18 ans. Maintenant jusqu'à 18 ans. Hawiasema byako. Là tu n'as même pas encore parlé de ton problème. Unaanza kuwa reconnaissant. Tu commences par être d'abord reconnaissant ou reconnaissant. Mais ukonafika kumagoti. Maintenant toi tu arrives à genoux. Unaanza lire. Tu commences à pleurer. Unalia nini? Dieu te pose la question. Je vois quand nakulilisha na bien kufanyizia kawanze bise. Tu commences à pleurer pourtant tu n'as pas encore cité ce que j'étais déjà fait. Allez, toka pale. Allez, quitte là. Amen. Amen. Mungu wangu, mon Dieu, nipe kazi. Je vais le travail. Chômage. Le chômage. Mbona bali kusaidia kumaliza masomo. Mais il t'avait aidé à finir les études. Pourquoi uanze shukuru kwanza ukapata diplôme kwanza? Pourquoi tu n'as pas commencé par rendre grâce parce que tu as déjà eu d'abord le diplôme? Ukapata diplôme kwanza. Prends d'abord le diplôme. Na huko ushukuru kwanza juu ya diplôme. Rends d'abord grâce à cause du diplôme. Na huko hai. Et pourtant tu es. Na huko na santé. Et tu as la santé. Na huko na akili. Et tu as l'intelligence. Yeye alikupa. Qu'il t'a donné. Bengine bali maliza me bakakuwa bafu. Les autres ont fini et ils sont devenus des fous.
Quand tu finis par lui montrer qu'il a fait des choses merveilleuses, il a maintenant tu as place là au milieu. Seigneur, tu as déjà fait tout ceci pour moi. J'ai encore des besoins. Les diplômes, c'est la case. J'ai les diplômes, c'est vrai, tu m'as donné, mais je n'ai pas de travail. Pourtant, tu as dit que celui qui ne travaille pas ne mérite pas de manger. Maintenant, on veut te construire une maison. Moi, je n'ai pas de cotisation. Mais si tu pouvais me donner, j'allais aussi construire. Sasa maintenant, maintenant ikikupendeza vile ulinisaidiaka kwa hiki na hiki na hiki. De la même manière que tu m'avais aidé à trouver ceci, ceci, cela. Amen. 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 Unapoomba, quand tu pries, kumbuka, souviens-toi, ya kwamba, que en dehors ya kuangusha mawazo, inje de faire tomber les pensées. En dehors inje ya kushipatia muda kidogo, de te faire donner un peu de temps, wa kumaliza byako, pour finir tes histoires. En dehors, inje, ya kuya kwamba unataka mpa muda, de savoir que tu veux lui donner le temps, partager. Tu vas pas le partager. Wana soma jana ujumbe. Nous avons lu hier. Frère Branham anasema, Frère Branham dit, batu benye bana imaka Mungu muda ni bambaraga. Les gens qui privent le temps à Dieu, ce sont des prostituées. Seme tunaweza sema seme hatuko tunaenda sharati inje. Nous pouvons dire que nous n'allons pas commettre adultère en dehors. Quand tu es en train de détruire le temps de Dieu pour rien, Dieu te voit. Il y a plusieurs façons de se prostituer. En consommant son temps, c'est aussi une prostitution. On a 10 minutes, mais moi, les 10 minutes, c'est liomba, muko 3 ans, 7 tu les vivais pas moubiaque. Tu lui donnes 10 minutes, dans ces 10 minutes, il y a 3 minutes que tu lui donnes et 7 minutes dans tes histoires. Est-ce que tu lui as parlé? Tu as commis la prostitution. Est-ce que les 10 minutes lui ont été données? Tu les as partagées. Comme vous avez mari, vous donnez au mari 10 minutes et vous donnez à un autre 5. Quand vous venez vers Dieu, pas de prostitution. Hakuna ukahaba. Je vais lire la citation. Nitasoma utajo. L'orgueil, Kiburi, 7855, paragraphe 44. Vous direz, Frère Branham, je ne suis pas une prostituée. Mimi si kahaba. Je ne veux pas du tout dire que vous l'êtes sexuellement. Mimi si tati kusema kama muko wa kahaba kupitia njia za uzazi, za zangono. La prostitution ukahaba est à un niveau plus élevé. Vous vous prostituez votre temps. Vous pouvez prostituer votre temps. Unaweza kufanya ukahaba na muda wako. Combien de temps vous lui, combien de temps lui accordez-vous? Ni muda gani mnaompatia Mungu? Unaweza kutokuwa msharati kwenye havuko kwa sehemu za uzazi a travers les sexes. Mais lakini Mungu naye Dieu aussi muda gani njoo unampatiaka? Combien de temps que tu lui accordes? Unampaka dakika ngapi? Tu lui donnes combien de minutes? On a fika kumagoti. Tu arrives à genoux. Mungu 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 Amen. Ça va? Amen. Kishuna kamata téléphone. Puis tu prends le téléphone. 21h. 22h. Ça t'attend aussi. 23h. Ça ine ça. Téléphone yako saha hizo? Ton téléphone 2h. Bill. Mais kumagoti combien de minutes? Mais à genoux dakika ngapi? 15. Entre moi, il partit à 10 heures. Entre celui que tu as accordé 10 heures. Mais moi, il partit à 15 minutes. Et celui que tu as accordé 15 minutes. Le Seigneur entre les deux, c'est qui? Si l'unajika talubanza lope. Mais là, ça se tranche.
Le problème se tranche lui-même. Tu lisais Mjumbe. Demandons au prophète. Je vais d'abord redescendre un peu. Continue. Vous vous prostituez par vos propres motifs égoïstes. Kupitia sababu zako za kipekee. Analasa ela disant, ukienda huko na huko ukisema, je suis membre de telle église, je suis meilleur. Mimi ni mwana membre wa kanisa fulani niko vema. Hapana. Vous ne l'êtes pas. Wewe hauko haye. Vous pouvez vous prostituer autrement que sexuellement. Waweza kufanya ukahaba zaidi ya kupitia njia za ngono. Le Saint-Esprit peut parler à votre cœur. Roho Mtakatifu aweza kunena kwa roho yako. Et vous direz, je ne veux rien avoir à faire avec cela. Sitaki kuwa na jambo na hilo. Vous pharisiens aveugles. Nini wafarisayo vipofu. Prostituées. Makahaba. Qu'est-ce que vous avez? Nini mnacho? Commettre adultère avec le monde. Ukifanya ukahaba na dunia. Et c'est ce que vous faites. Na hiyo ndio mnafanya. Oh, vous direz, watawaambia, je suis membre de l'église. Nini mwana memba wa kanisa. Et vous êtes si froid et si indifférent. Namna kuwa wakibaridi na wasio jali. Oh, vous dites de belles prières. Oh, mnasema maombi mazuri. Oh, je déteste cette chose pharisaïque. Oh, nateseka hiyo kitu katika kanisa. Vous priez. Mnaomba. Et vous mettez chaque virgule bien sur place. Mnaweka kila mkato bien sur place. Mnaweka et chaque point sur place. Mnaweka kila nukta kwa nafasi yake. Bien ponctué. Ikiwekwa vizuri kwa kifaransa. Oh, vous priez si bien. Mnaomba vizuri. Vous ne pouvez parler à Dieu de cette façon-là. Hamwezi kuongelesha Mungu namna hiyo. Vous faites attention à ce que vous dites et vous ponctuez votre prière. Mnaenda mkichunguza kile mnachokisema na mnapanga maombi yenu. Que Dieu vous aide à vous défaire de cela une fois et à prier. Cessez de dire des prières. Mwache kutajataja maombi. De dire des prières. Mwache kutajataja maombi. Vous devez cesser de dire les prières. Moi, je coutage. Cesser de dire. Pour réciter. De réciter les prières. C'est mon akinwa. Parle avec ta bouche. Mais naro haïko parle. Et pendant que ton cœur n'est pas moi, là. Moi, je vis les semaines de baraka. Faut laisser cela. C'est la prostitution. Cesser de dire des prières. Mwenye hayo sasa naweza waza sema Branham anasema watu wasiombake. Celui qui ne sait pas peut dire que donc Branham nous interdit de prier. Non. Apana. Alishabisema. Il a déjà dit. Unabi ponctué mzuri na unabi fuatanisha. Vous êtes en train de le ponctuer très bien. Haiko hata mseri ya prière. Haiko. Ça n'est même pas dans la série de prières. Alléluia. Amen. Muko hapa? Ziyata. Amen. Amen. Musi je décourager. Ne soyez pas découragés. C'est manaki atu ya mbaka basi mzee manaki hapa na nous n'avons jamais prié. Tuko basi babure atu ya mbaka. Muko mnakomalishwa. Vous êtes en train d'être nikubapandisha tena juu zaidi ya vile mlikuwa. C'est de vous élever encore plus que là vous étiez. Ili muiwe kuanza byenye hamkufanya vizuri. Pour que vous commenciez à bien faire ce que vous n'avez pas bien fait.